Salut tout le monde, c'est Fizz67, chevalier de Groland pour vous servir. Je sais plus comment il dit ça, mais bon. Voilà, j'ai piqué le casque à mon Fizzounette, ses gants et sa ma supermote Rupette. Monsieur Pète. Et bien coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que j'ai envie de vous parler là pour commencer cette vidéo. J'ai envie de parler, donc c'est un peu normal hein. Maintenant quand je voudrais parler, ben, je vous parlerai. Quand j'ai pas envie, ben, vous m'entendrez pas ma gueule. Excusez-moi. Bon, j'espère qu'on m'entend super bien parce que j'ai pas mon micro. Et comme vous pouvez le voir, ben, vous devez le voir, je suis pas sur ma moto, je suis en voiture. Qu'est-ce que je branle en voiture? Qu'est-ce que je suis en train de branler en voiture? Tout le monde doit se demander pourquoi. Mais pourquoi je suis pas en moto? Ben, la seule raison, j'ai une fuite au niveau de mes joints speed de fourche. Et la seule raison que je vais pas en moto aussi, c'est pas à cause de mes joints speed qui fuient. C'est bien sûr quand il commence à faire boum de nuit et que tu as une visière qui est à moitié teintée, c'est un peu difficile à voir. Et en sachant que sur ma moto, en feu de croisement, je vois quoi? Je vois sur 3 mètres quand je suis en feu de croisement. Bon, c'est la grosse merde. Parce que le dernier coup, j'étais rentré de nuit, c'était pour la manif à Nantes. J'étais rentré de nuit avec un pote à moi, je ne voyais absolument rien, rien du tout, c'était de la vraie merde. Du coup, une fois mais pas deux, j'ai failli faire des tout droits dans les virages, je sais pas combien de fois, je roulais comme un vieux papy. Après, je me suis retrouvé tout seul parce que mon pote, il s'est retrouvé devant, mais il était à 10 km avant moi. Alors du coup, je vois rien du tout avec ma moto, surtout quand t'es en feu croisement sur 3 mètres, comprenez bien que c'est un peu la merde. Et surtout quand t'as ta visière qui est teintée, c'est un peu le gros bordel. J'ai décidé aujourd'hui d'aller en voiture. Je resterai plus de temps avec mon fils Zounette. J'espère que ça va être une bonne après-midi. Tout ça en vidéo. Et vous allez voir, ça va être peut-être du lourd. Du très 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 lourd en vidéo. Et on va bien s'éclater. Pourquoi je fais moins de vidéos? Pourquoi je fais de moins en moins? Bah, non seulement j'ai pas trop le temps de faire des montages ou faire des vidéos ou prendre la moto, en sachant j'ai quelques frais à faire sur ma moto en ce moment. Il n'y a pas que les joints speed, je sais plus, j'ai les freins aussi, il faut que je les change, il y a pas mal de frais à faire dessus. Et je pense que ça va pas être réparé tout de suite parce que j'ai une grosse surprise à vous faire montrer. Peut-être dans quelques mois. Et j'ai vu ça la semaine dernière. On m'a proposé quelque chose. J'ai vraiment kiffé. Et je ne vous dirai rien du tout. J'ai envie de garder la surprise jusqu'à quand je ferai la vidéo. J'ai pas envie de vous dire qu'est-ce que c'est, quoi. Non, je ne dirai rien du tout sur ce sujet-là. Bon, sinon les amis, j'ai plus rien à vous dire. Je sais plus quoi vous raconter. Je voulais simplement vous dire, là on envoie la musique et je vous dis à tout son visionnage de mon après-midi avec Fizz. Ça va envoyer du pâté, ça je vous le jure. Alors, je vous dis à vous tous et un grand merci d'être de plus en plus nombreux et je vous dis ciao les amis, bisous bisous. We'll be right back.
Donc c'est clip. Allez, monte. Attends. Oh mon dieu. Alors, tu sors le kick. Je le sors. Tac. Fred. Comment ici? Ouais. Avec la pointe du pied. Attends. Là. Non, avec la pointe du pied, pointe du pied. Là. Et là, tapez fort. Bon, ah, faut freiner. Je peux pas. Allez, tout ton corps. Il faut que tu fasses un gros coup de garde. Bah bon Dieu. Allez, tu te jettes dessus. Mais bizarre, il bloque. Mais c'est normal, c'est comme si t'allais sauter dessus. Voilà. Ah bon? La première, vas-y, pas trop fort au début. Voilà. Salut tout le monde, c'est Fizz67, chevalier de Groland pour vous servir. Je sais plus comment il dit ça, mais bon. Voilà, j'ai piqué le casque à mon Fizzounette, ses gants et sa ma supermote Rupette. Monsieur Pète. Oh le son. Je suis pas trop habitué, mais. Putain, c'est chelou, c'est vraiment chelou à conduire. Oh la vache. Putain, il a pas de clignotant, c'est là. Putain, c'est chelou. Je sais même pas où je vais y aller. Oh la vache, elle est bizarre à conduire sa bécane. C'est un truc de malade. Alors, sens interdit, non, on va pas aller par là. Trop bizarre. Excusez-moi si je parle pas beaucoup, mais la moto à Fizz est tellement bizarre que je me concentre un maximum. C'est la direction, on dirait qu'elle est morte. C'est trop bizarre. Oh la vache. Je sais plus si c'est par là. Là on se penche.
Ah, ça part en rolling. Oh putain. On va essayer de faire un rolling. Dernier, j'ai pas envie de détruire la moto à fils non plus, faut quand même être sérieux un peu. Allez, en deuxième on tente de lever. Oh la vache, ça tremble. Et fini les conneries. Alors tu kiffes? Ah ouais, carrément. Eh, tu as vu, j'ai réussi à lever, hein. Ouais, c'est plutôt, c'était faux. Bah ouais. Attends, point mort. Non, tu le trouveras pas, le point mort. Pourquoi? On peut pas le trouver quand on est arrêté. Ah ouais. Juste l'autre côté. Ah oh ouais, c'est de la bonne. C'est de la bonne, mon gars.